Ouais, nous allions étant gamines au lac de Bambois avec maman. Et là, c'était encore le bord, la terre comme bord, c'était un lac, quoi. Tout simplement, un lac avec des roseaux, avec des. Il y avait des arbres autour, il n'y avait rien d'arrangé, tout était nature. C'était sauvage, vraiment sauvage. Et par après, on a eu des cabines, doucement, ça s'est transformé, mais toujours état sauvage. On allait en barquette sur le lac, on allait à l'île, il y avait une île, et il y en avait beaucoup qui nageaient jusque l'île. Mais de Furneaux, après, quand je me suis mariée, je venais avec les enfants au lac et je prenais le train, j'habitais à Furneaux, et je prenais le train pour arriver à Bourbois. Oui. Il y en avait souvent. Oh, il y avait beaucoup de monde qui venait au lac. Bourbois, c'était le lac, c'était grand. Je n'ai fait que de l'admirer, le lac. C'était notre lac à Bambois, hein, ça. Et c'était intéressant, c'était beau.